Aujourd'hui, on s'entretient avec coach Éric Marié, entraîneur-chef des Nordiques du Collège Lionel Groulx. Coach Rick, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci de prendre le temps de t'asseoir avec nous aujourd'hui. Très apprécié. Ça fait plaisir. Coach, comment est-ce que le programme des Nordiques au Collège Lionel Groulx, comment est-ce qu'il se démarque des autres programmes en ce moment? Bien, comment qu'il se démarque? Tu sais, on pourrait parler de l'encadrement académique et tout, puis de la préparation physique, mais moi, je dirais ce qui est vraiment le point principal qui fait qu'on se démarque, c'est on est très humain dans notre approche. Tu sais, on dit souvent, en dessous du casque, ben, il y a un individu, puis nous, on travaille avec ces individus-là. On prend pas les gars comme des numéros. On a 68 joueurs, mais c'est 60 personnes différentes. C'est 68 gestions différentes, hein, quelque part, parce qu'on veut les traiter de façon équitable, mais ils ont tous des besoins différents. Ça, je te dirais que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans notre approche. Puis on a aussi beaucoup de stabilité qui permet qu'on a des vieux coachs, puis on a des jeunes coachs. Fait que ça permet, c'est un bel amalgame dans tout ça. Ça permet de passer des messages que des fois, un coach peut-être plus vieux comme moi, ils vont dire, qu'est-ce qu'il dit lui? Mais je peux le faire passer le message par les jeunes. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très, très fun. Puis même pour les plus vieux coachs, c'est quelque chose qui, dans le fond, ça nous donne de la drive de plus. C'est quelque chose qui est apprécié des jeunes et tout. Puis c'est facile de les prendre, je dirais, un par un, les gars, puis dire, hey, lui, faites attention, il vit telle situation. Bon, on est très, très, très humain dans notre approche, puis surtout avec la situation qu'on vit présentement, je pense que les jeunes ont besoin de ça aussi. Je parlais de stabilité, moi, je suis là depuis le début du programme. Des fois, les gens, ils oublient que ce programme-là est quand même très jeune, là, 2007. Là. On a eu un parcours où est-ce qu'on est passé de D3, D2 et D1. Et puis, tu sais, des fois, ouais, mais là, en Division 1, c'était difficile, tu sais, je ne le cacherai pas. Il y a des raisons pourquoi c'est pas arrivé, c'est pas des excuses. On a vécu des choses où est-ce que la première année, on a des joueurs talentueux, on manque de profondeur, puis en Division 1, mais quand tu perds un joueur, quand tu affrontes des gros programmes, ça t'affecte tout. Et l'an passé, dans la saison 2019, 46 recrues. Là, on allait jouer contre des hommes, là. Fait que c'était quand même, c'était de l'apprentissage. Et puis, cette année, on avait confiance. On était confiants d'avoir un bon produit sur le terrain. Et puis, avec ce qui est arrivé, on a eu un petit échantillonnage contre André Grasset. Où est-ce qu'on a vu des choses, on a vu des bonnes choses, on a vu des moins bonnes choses, des choses à corriger. Je te dirais que, tu sais, au niveau de se démarquer, c'est... Comment je peux dire ça? C'est... Il y a plusieurs choses. Je parle de stabilité, je vais parler de l'aspect humain. On offre aussi le côté académique, comme tantôt on s'en parlait avant de off the record. Au niveau académique, présentement, ça se ressemble pas mal. C'est quasiment pareil partout. On veut la réussite, on a à cœur la réussite des jeunes, puis on veut qu'ils graduent. On veut on veut leur bien finalement. Et puis, ça se ressemble beaucoup. Une autre chose aussi qui est particulière chez nous, beaucoup de nos anciens reviennent. Malgré qu'on est un jeune programme, présentement dans notre staff, on a quatre de nos anciens qui coachent, dont Mathieu Dupuis, qui a été repêché dans la Ligue canadienne, qui était un retour. On a aussi Alexandre Dupuis, Alex, qui était là il y a 2 ans. Alex aussi a joué dans la CFL, qui est revenu avec nous. Donc, ça prouve que quand les gars sont chez nous, sont bien traités, puis ont envie de revenir donner. Fait que, puis la porte est plutôt ouverte aux anciens. Là, je leur dis, n'importe quand, vous pouvez revenir, si c'est une famille. Là, puis on veut pas juste le dire, on veut le faire, on veut que les gars sentent que c'est une famille. Hugues, qui est quand même un gars qui est quand même très impliqué dans la région, c'est un ancien des Nordiques, hein, il donne beaucoup, beaucoup de temps, puis tout. Fait que nos jeunes reviennent donner. Ils ont été fiers des Nordiques et tout. Donc, pour nous, c'est quand même très, très, très important que nos jeunes reviennent. On parle aussi au niveau de la préparation physique. On a le privilège de travailler avec le Centre Perform Plus à Beaubriand, qui est bien en fond, qui est l'idée par Stéphane Dubé et son équipe de kinésiologues. Ce centre d'entraînement, je dirais, c'est un centre d'entraînement de performance, pas un gym.
C'est un centre qui a quand même une certaine notoriété. Nos joueurs ont le privilège de côtoyer des athlètes professionnels à tous les jours. Fait que ça, c'est très motivant. Tu vois des gars de la NHL, tu vois des gars de la CFL, c'est très, très motivant pour eux. Puis dans la bâtisse, on a aussi notre suivi médical, dans le fond, tout ce qui est médecins et physio qui sont là. Fait que pour nous, c'est comme un clé en main. On est privilégié d'avoir ça, puis c'est un gros élément vendeur chez nous, parce que quand tu rentres, je dis tout le temps, puis Steph, il me dit ça, il dit « Hey, le gym, c'est vraiment comme un Toys R Us pour athlète. Tu veux une bébelle, tu l'as, il faut juste te remettre à sa place. » Puis tu sais, c'est vraiment, c'est très rassembleur pour les gars. C'est très, très rassembleur, puis je t'avouerais que le fait que les gyms ont fermé, ça a été, je pense que les gars l'ont pris encore plus dur que la saison a été cancellé, ils l'ont pris, c'est très, très difficile pour eux présentement, mais je te dirais que c'est surtout ça qui démarque notre programme là, présentement. Là. Mais on cherche à améliorer. Encore une fois, on a des plans qui ont été sortis pour des nouvelles infrastructures au parc de chambre, de notre terrain home. Fait que ça, c'est quelque chose qui va nous aider énormément dans le recrutement. Fait qu'on a hâte que ça soit fait là. C'est sûr que la COVID, il y a eu un petit ralentissement oui. du projet, mais les plans sont sur la table. On n'est plus à l'état embryonnaire. Là. Il y a quelque chose là, on est en train de déterminer, dans le fond, pas le collège, mais avec la ville et tout. Peut-être que c'est quand le début de la construction. Coach, toi puis moi, on s'en est parlé souvent de joueurs qui semblent avoir la difficulté peut-être à prendre une bonne décision sur le cégep dès le premier coup. À quoi doivent-ils réfléchir pour être capables de faire le bon choix de cégep? Bien, rencontrer un coach, prendre cette décision-là, ça se prépare. T'sais, je pense que s'asseoir avec ses parents puis faire la liste des pour et des contre, puis aussi des besoins. Qu'est-ce que le jeune recherche? Premièrement, la première chose qui va te guider, ça va être ton choix de programme. Tu peux pas choisir que tu t'en vas dans un programme qui ne t'intéresse pas juste pour le football, parce que le football, c'est censé être le plan B dans la vie, pas le plan A. Et puis, suite à ça, ben, d'établir ça, le mettre par écrit, quand tu rencontres l'entraîneur ou quoi que ce soit, ben, tu as ça devant toi, puis ça te force à poser des bonnes questions. Ouais. Puis, tu sais, quand on rencontre les joueurs, à ce moment-là, ils sont avec les parents et tout, puis les questions sont différentes pour l'athlète, puis pour le père, puis la mère. Donc, ça va être de poser les bonnes questions, puis d'être capable de... Le jeune, souvent, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, puis qu'est-ce qu'il a besoin, finalement. Fait qu'il y a un exercice à faire avant, puis comme ça, il va arriver, comme nous, on doit se préparer quand on rencontre un jeune, mais le jeune aussi, il y a une forme de préparation à faire comme ça, il ne va pas se perdre là-dedans. T'sais, il va dire, OK, moi, je veux telle affaire, ce cégep-là, il l'a pas. Parfait. Puis là, je vais réduire mon nombre de cégeps, parce que, tu sais, le gars qui va aller en sciences humaines, ça se donne dans d'autres cégeps. Fait que là, veux-tu rester à la maison? Veux-tu étudier en anglais? Veux-tu vivre d'expérience de résistance? Fait que là, tu sais, c'est toutes ces petites choses-là qu'il va falloir que tu t'assoies avec tes parents, puis que tu vas réfléchir, puis tu vas dire, OK, ben finalement, bon, ben là, je tombe à 5 cégeps, par exemple. Là, ben, tu vas faire des visites, puis là, tu regardes où est-ce que tu te sens confortable aussi. C'est quelque chose qui est important, parce que tu vas passer les 2 ou 3 prochaines années de ta vie dans cet environnement-là. Fait que c'est super important. Mais moi, comme je dis, pose les bonnes questions, tu sais. Mais ça se prépare de poser les bonnes questions. Coach, tu es en première division, comme tu as mentionné tantôt. Où est-ce que tu en es dans la progression de ton équipe vers la conquête d'un premier championnat en division 1? Je te dirais que 2021, pour nous, on va avoir une équipe qui est mature. Comme je disais tantôt, il y a 2 ans, on avait 46 recrues. Évidemment, il ne reste plus 46 de ces joueurs-là qui sont avec nous dans l'édition 2021, pour plein de raisons. Il y a des gars qui ont passé à d'autres choses, des gars qui ont perdu leur poste, parce que c'est la réalité. En disant, il y a énormément de compétition. Qu'est-ce qu'on veut? Nous, c'est pas compliqué. T'sais, on a tout l'objectif de gagner un bol d'or. Mais tu sais, il y a des étapes. Il y a des étapes. Je pense que on a des marches à monter. Il y a des années, on va descendre des marches. Puis nous, on regarde vers le haut.
On ne veut pas regarder en arrière, on veut regarder vers l'avant, puis on focus sur les choses positives, puis on regarde vers l'avant. C'est pour ça que quand on recrute quelqu'un, on ne recrute pas nécessairement juste un joueur de football. On a un profil de joueur qu'on veut. On veut des joueurs engagés, on veut des joueurs qui sont prêts à travailler et à compétitionner. Fait que nous, c'est hyper important parce qu'on l'a vécu, on a vécu la transition de la division 3 à la division 2, 2 à 1. Puis à chaque transition, il y a des choses différentes. Puis il faut que tu sois prêt à compétitionner. Tu sais, comme peut-être tu n'as jamais compétitionné en division 1, puis ça paraît sur le terrain. Les équipes qui ont du succès, c'est souvent, ça fait partie de leur recette. Nous, on veut aller dans cette direction-là. 2021, on s'attend à vraiment des bonnes choses pour nous. On veut être capable de dire, OK, on vient de trouver notre niche. Tu sais, on a les deux pieds, on est grindé à la bonne place, puis c'est ça qu'on veut en 2021. Puis on travaille pour ça. Coach, il te manque des éléments, sûrement, en 2021 pour pouvoir accéder à cette position d'élite-là en division 1. Qu'est-ce qui te manque en termes de besoins dans l'équipe? Bien, des besoins précis, je te dirais, ce qu'on recherche beaucoup, c'est les meilleurs joueurs disponibles. Okay? Parce que les meilleurs joueurs, si on amène les meilleurs joueurs dans notre équipe, bien, ils vont augmenter le niveau de compétition. Mm-hmm. Ils vont pousser des gars qui avaient une certaine zone de confort à être meilleur ou simplement baisser les bras et dire, OK, finalement, lui, il n'avait peut-être pas le... Comment je peux dire ça? Il n'avait peut-être pas les ressources pour jouer en division 1 ou performer comme nous, on s'attendait. Fait que pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment important de chercher les meilleurs joueurs disponibles. Évidemment, puis ça, je pense que j'ai écouté une couple de tes capsules avec des autres entraîneurs. Les joueurs de ligne, c'est là que ça se passe. C'est le nerf de la guerre. Ça t'en prend, ça prend une certaine profondeur aussi. C'est ça qui est important. Nous, on a expérimenté à notre détriment depuis 2 ans. Ça prend une profondeur et ça prend une certaine expérience. Fait que on a des gars qui sont établis sur notre ligne offensive, mais il y a d'autres gars qui, s'ils veulent nous aider à devenir meilleurs, ils vont devoir progresser. Puis, dans le fond, amener leur niveau, augmenter leur niveau de jeu. T'sais. Donc, on cherche ce qu'il y a de meilleur sur le marché, hors de ligne, et puis, hey, on t'amène, puis si jamais tu bats notre meilleur demi-défensif, ben tu deviendras le meilleur demi-défensif, aussi simple que ça. Puis, on n'est pas une équipe qui a peur de mettre des recrues sur le terrain. Là. En parlant de mettre des recrues sur le terrain, quel rôle les recrues vont-ils jouer s'ils ne sont pas nécessairement sur le terrain? Bien, tu sais, tantôt on parlait des rencontres, tu sais, comme bon, je reviens un peu à l'arrière, on parlait des rencontres, tu sais, une des questions qui je pense qui est importante à poser, ça va être quoi mon rôle? Il y en a qui parlent de plan, mais c'est quoi mon rôle dans ton équipe? Où tu me vois? Puis là, suite à cette réponse-là, bien, le jeune va avoir une petite idée où est-ce qu'on le voit. Une recrue chez nous, t'es recru la première pratique. Oui, les vétérans, ils ont une certaine expérience, comment ça fonctionne, mais vite, parce que comme je disais tantôt, notre esprit d'équipe, l'esprit de famille est très développé. Vite, la recrue, elle va se faire prendre sous l'aile d'un vétéran ou quoi que ce soit. Puis on a un système de parrainage aussi, où est-ce qu'on a un vétéran qui pourra parrainer une recrue. OK? Fait que ça l'aide beaucoup l'intégration, puis c'est super important pour nous. Une recrue peut, comme je disais tantôt, si la recrue est meilleure que le vétéran, ben, notre équipe devient meilleure, c'est ce qu'on veut, ben, c'est dommage pour le vétéran, puis c'est bon pour la recrue. Et à chaque année, même cette année, dans notre depth chart, 5 recrues startaient la saison, là. Malgré qu'on était une équipe qui était, je te dirais, c'est beaucoup de deuxième année, mais il y avait des gars qui sont arrivés, qui ont tassé parce qu'ils ont fait des bons choix. Ils se sont entraînés, tout simplement qu'ils étaient meilleurs. Fait que pour nous, une recrue, tes recrues, le temps que tu arrives après ça, ben c'est sûr que tu dois apprendre le cahier de jeu. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre à maîtriser pour être sur le terrain. Il y a des gars qui ont plus de facilité que d'autres, mais loin de. Comment je peux dire ça?
Que tu sois recrue, pour nous, ça nous importe peu. Si t'es meilleur que l'autre gars, ben, surtout à talent égal, puis il y a des places qui vont favoriser le vétéran à talent égal, il y a des places qui vont favoriser la recrue. Si j'ai une recrue versus une troisième année à talent égal, je pense que c'est l'entraîneur de Lévi Dauzon qui dit « Écoute, on va favoriser la recrue pour son développement. » Ben, on pense un peu de cette façon-là. Mais tu sais, il faut vraiment que ça soit... Faut que ça soit flagrant que c'est égal, là. T'sais, fait qu'il y a une certaine analyse de la part des entraîneurs qui doit être faite, là. C'est pas, on prend pas cette décision-là t'sais, comme ça, là. Faut qu'elle soit analysée et qu'elle soit réfléchie, la décision. Coach, si tu avais la chance de t'adresser à un groupe de jeunes en secondaire 4, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils soient prêts en secondaire 5 à avoir une bonne saison puis passer à travers le processus de recrutement? Bien, je leur dirais la première chose, have fun. OK? Souvent, les kids de secondaire 4, ils pensent déjà au cégep. Ils ont déjà la tête ailleurs. Hey, profite du moment présent. Profite. Puis là, que ça soit autant au niveau secondaire qu'au niveau civil, profite du moment présent. Concentre-toi sur ton équipe actuelle. Have fun. Puis la journée que tu auras à être recruté, ils vont être là, le cégep, pour te recruter. Fait que de profiter de ce moment-là, il va pas revenir ce moment-là. Puis là, tu vas être, tu sais, parce que tu vas vivre d'autres choses. Puis, tu sais, c'est un petit peu moins business, là, je pourrais dire. Là, quand tu arrives au collégial, là, tu tombes dans un autre débit un peu. C'est un autre débit, finalement. Mais de profiter du moment. Moi, je crois beaucoup à ça. Puis souvent, il y a des gens, ouais, mais qu'est-ce que je devrais faire? Bien, profite du moment. Puis l'autre chose qui est vraiment importante, mais là, les jeunes commencent à réaliser l'importance de ce point-là, c'est la préparation physique. Tu ne peux pas penser à arriver, jouer au collégial, bien, OK, je vais m'entraîner en juin, juillet, puis je suis en secondaire 5, puis après ça, je vais commencer ma carrière collégiale. Non. Ça se prépare. Il y a des jeunes qui commencent certaines préparations physiques, évidemment, adaptées à leur morphologie. Dès le secondaire 3, il y a des programmes qui mettent beaucoup d'emphase sur la préparation physique. Fait que ça les aide énormément. Je pense que la préparation physique, c'est plus à négliger. Tu sais, c'est un peu... tu ne fais pas un camp d'entraînement pour te mettre en forme. T'sais, le camp d'entraînement, c'est pour rentrer le cahier de jeu. Tu dois arriver au camp d'entraînement en forme et prêt. Donc, la préparation physique, on le voit, les jeunes de secondaire 4 qui s'entraînent, ils arrivent en secondaire 5, oups, de un, ils jouent beaucoup plus de confiance, ils ont gagné de la masse musculaire, et ils se sentent beaucoup plus confiants à faire des jeux. Ça paraît dans leur jeu, ça. Ça paraît énormément dans leur jeu. Fait que je dirais aux kids, have fun, prépare-toi physiquement, puis quand ça va être le moment en secondaire 5, là, il va y avoir un line-up de cégep devant toi pour te regarder et te parler. Coach, tu as été le premier entraîneur-chef que j'ai approché en 2016 avec l'idée embryonnaire de Nexus Sport, de très bons conseils que tu as prodigués à ce moment-là. Où est-ce que tu penses qu'on est rendu maintenant avec Nexus Sport? Bien, Nexus Sport, là, pour vrai, c'est quelque chose qui, je pense, c'est un incontournable, surtout pour les étudiants athlètes. Tu sais, les entraîneurs, oui, on l'utilise, on s'en est parlé, on l'utilise, puis tu sais, on veut maximiser, dans le fond, la plateforme pour à chaque équipe ses besoins. Tu sais, une équipe qui travaille très beaucoup en région, tu sais, va l'utiliser d'une façon. Nous qui travaillons un petit peu plus régionalement, mais on commence à sortir de la région, on va l'utiliser d'une autre façon. Mais c'est surtout pour les jeunes, où est-ce qu'ils n'ont pas la chance, des fois, excusez l'anglicisme, de showcase eux-mêmes. Puis ça, c'est super important, c'est tout sur la même plateforme, parce que présentement, on reçoit beaucoup de vidéos adult sur nos Facebook, ici, ça à regarder. Tandis que, tu sais, le jeune, il a accès à Nexus, il met ça là, et puis tous les cégeps peuvent le regarder, puis, tu sais, de l'analyser, si on veut. Je trouve que c'est rendu un incontournable de Nexus Sport, puis, tu sais, comme on dit, ça fait longtemps qu'on s'en parle. Puis, on voit surtout cette année, je pense que le recrutement aussi va être appelé à changer. Normalement, on va avoir des matchs, on va avoir des pratiques. Là, on n'a pas ça. Fait que ça nous prend une forme d'aide
Donc, Nexus, ça arrive en plein bon moment. T'sais. Je pense que t'es un de ceux qui a pu profiter de la pandémie là, avec ça. Puis, tant mieux pour les jeunes, puis c'est tant mieux pour Nexus Sport. Je pense que ça va devenir un must dans le futur. Présentement, on vit une situation qui est difficile. Je pense que l'important, c'est de rester focus sur l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Bien, c'est de réussir tes cours, c'est de te préparer le mieux que tu peux avec la situation pour arriver prêt pour le prochain niveau. De rester, tu sais, comment je peux dire ça? De pas hésiter à demander de l'aide parce que, tu sais, bon, il y a beaucoup de gens qui vivent de l'anxiété, on le vit à différents niveaux. De ne pas hésiter les gars à demander de l'aide. Si tu as besoin d'aide, là, il ne faut pas hésiter. Tu vas être gagnant en demandant de l'aide. Et puis, l'autre chose, ben là, on s'en va un petit peu plus vers le recrutement, ben, posez les bonnes questions. Posez les bonnes questions. Vous avez le droit que les entraîneurs qui sont devant vous, vous avez le droit à cette transparence-là. T'sais. Mais préparez-vous à les poser des questions. Et puis, tu sais, comme je vous dis, les coachs qui sont devant vous doivent être transparents, puis être honnêtes, puis vous dire la vraie chose. Puis n'hésitez pas à demander c'est quoi mon rôle pour ton équipe. Coach Marié, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Encore une fois, très apprécié. Merci.